Watch your back. It'll make it so much easier. Make it so much easier to get out of the way. On est extrêmement déçu par cette décision sur un premier volet qui ne poursuit pas Dominique Strauss-Kahn du chef de tentative de viol, mais par ailleurs cette décision est à mon sens sur le fond pleinement satisfaisante, puisque dans ce dossier qui était réputé vide et dans ce dossier qui était constitué de faits imaginaires, vous vous en souvenez tous, j'imagine, eh bien le parquet reconnaît de façon très claire que Dominique Strauss-Kahn est un agresseur sexuel. Bon. Tu vas plus reculer plus. Ok, stop. Ok, stop. Deal. Ok. Là, aujourd'hui, il a un statut d'agresseur sexuel non jugé au bénéfice d'une prescription extrêmement courte qui est de 3 ans, donc on peut... Imaginez, non, on ne peut pas imaginer, je suis en mesure de vous dire que si Christine Bannon avait déposé plainte pour les mêmes faits aux alentours de l'année 2005 ou 2006, eh bien M. Dominique Strauss-Kahn aurait été jugé et aurait été condamné. Certains ont dit que M. Dominique Strauss-Kahn devrait être soigné. Nous avons la conviction qu'il aurait dû être enfermé. Donc à ce titre-là, Mademoiselle Christine Bannon, puisque... au dernier développement, il ne sera pas emprisonné, est particulièrement déçu. Pour autant, il lui reste cette possibilité que vous connaissez et qui a été largement décrite dans les médias de se constituer partie civile et elle prendra cette décision dans les tout prochains jours.